Je suis né comme ça. Mon père et ma mère sont nés le même jour, le 3 mai 1953. Mon père nous a quittés en 1995 et j'avais 4 ans seulement. Oh mon Dieu. Et ma mère en 1998. J'avais 7 ans. J'espère que vous serez fiers de l'homme que je suis devenu. Je sais pas quoi dire tellement tu es intense. La première fois que tu es venu aux auditions, on connaissait pas ton histoire et pourtant on a été frappé en plein cœur parce qu'on sent tout ce combat que tu as mené, toute cette solitude qui t'a fait grandir. Malgré ces jambes qui ont dû être un poids pour toi, tu as grandi, tu grandis très très haut dans le ciel. Souvent, je suis victime de ma sensibilité, j'ai envie de pleurer, et avec toi, je me contiens constamment. Et si je ne pleure pas, quand tu es en face de moi, c'est par pudeur et c'est par fierté, justement. Tu parlais de fierté, je ne suis pas ta maman, mais j'ai une telle fierté qu'un homme comme toi nous donne une leçon de vie. Alors, peut-être que tu t'es demandé ce que tu venais faire sur Terre, mais pour moi, tu es plus une petite étoile, tu vois, vraiment. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, tu commences par la mort de ton père et de ta mère, ça fout une bonne ambiance. Il y a... En fait, parfois, on n'a pas de parents, mais ça nous rend plus forts que quand on en a, parce que finalement, on choisit nos propres parents. On choisit nos propres exemples et on peut devenir exactement ce qu'on est censé devenir. Et là, ce que tu es, toi, t'es une inspiration. Voilà ce que tu es. T'es une inspiration. Ouais. Merci. Je viens d'avoir ta maman au téléphone qui me dit que ton père et elle vont très très bien. Merci. Merci beaucoup. Ils sont fiers de toi? Voilà, en tous les cas, ils étaient derrière moi, donc j'étais bien. Merci. Tu nous as bluffé dans les auditions et tu nous as rebluffé aujourd'hui aussi. Tu as surmonté plusieurs obstacles pour te rendre où tu es et honnêtement, c'est une leçon pour tout le monde. Et vraiment, incroyable talent, c'est toi. Ouais. Merci, merci beaucoup. C'est ouf ce que t'es, ce que tu représentes. Un gars qui a toute sa force dans ses bras. Tu nous as balancé une émotion tellement folle sans qu'on voit ton visage pendant tout ton show. C'est fou parce que tu arrives à lancer une émotion à travers tes gestes, à travers tes mouvements. Le tableau, il est fou. Le message, savoir tout ça sur toi et avoir une énergie folle comme ça et un talent monstre comme tu es. Mec, je suis désolé.
mec, j'ai envie de te prendre dans mes bras, mais on peut pas, je suis... m'en fous. Franchement, bravo. Rien à voir avec le handicap, j'ai envie de dire, parce que t'es ouf, t'es extraordinaire, mec. Merci d'avoir partagé ça avec nous, merci. Bravo à lui, vraiment. Alors, son vrai prénom, c'est Youssef. Et il faut savoir aussi, tu disais qu'il montrait la lumière. Youssef, il donne des cours de danse aux handicapés. Donc il transmet. Bravo. Tu vas directement en finale ? Attendez-nous en finale parce que ça va être encore mieux. Merci beaucoup.